L'utilisation de Google Classroom a explosé pendant le confinement. Mais certains enseignants, comme Sébastien Charrette de l'École des Grands Vins que j'ai rencontré pour cette vidéo, l'utilisaient déjà auparavant, l'utilisaient déjà en présence avec ses élèves. Je voulais savoir comment ça se passait et pourquoi ils l'utilisaient auparavant. Est-ce que c'était simplement pour des tâches numériques ou, comme mon expérience, moi je l'utilisais aussi pour des tâches papier. Donc j'ai discuté de ça avec lui. Est-ce que tout ce qu'il y a dans Classroom, ça a du lien avec le numérique? Ben oui, quand même. Dans une certaine mesure, si tu considères des PDF comme étant du numérique aussi, ouais. C'est pas une pédagogie numérique, mais ça va être un lien vers un site Internet, ça va être un lien vers Biblius, un lien vers une application, ça va être un Google Docs, un Google Tableur, Google Sheet. Ce que je voulais dire, mettons, il n'y a pas, par exemple, de tâches à faire dans un cahier, une feuille papier. Puis là, une fois que c'est fait, on vient la cocher dans Classroom. Pas dans notre cas. Parce que j'ai vu ça aussi, tu sais, que ça se détache. Tu sais, le Classroom devient une espèce de to-do list, là, tu sais, de babillard à faire. Mais ce n'est pas nécessairement numérique. Parce que dans des classes où on n'a pas justement accès toujours à un ordi, où c'est les élèves qui, le soir, vont aller faire ça à la maison, quelque chose comme ça. Oui. Ça peut être une approche. T'sais.